Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Puisqu'aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre à déverrouiller par exemple un iPhone d'un ami ou une personne que vous ne connaissez absolument pas en venant trouver son mot de passe. Je vous ai dit vidéo spéciale tout simplement parce que c'est un ami, un abonné et également un magicien. Il m'a donc proposé en exclusivité de vous présenter ce tour et je le trouvais tellement impressionnant ce tour, tellement sympa que je me suis dit ok. La seule petite condition c'est que les explications ne seront pas sur cette chaîne puisque c'est un tour qu'il a créé lui, du coup elles seront sur sa chaîne. Sur ce, on se retrouve tout de suite avec la démonstration que j'ai fait avec ma copine. Je lui ai demandé de changer son mot de passe exprès, donc il n'y a vraiment aucun trucage. C'est ce que vous allez pouvoir faire juste après avoir vu les explications. Bon, on est d'accord, t'as ton téléphone, tu viens de changer le mot de passe parce que je connaissais l'ancien. Donc tu es la seule personne à connaître ce mot de passe. Oui. Alors je vais te demander de le rentrer, pendant ce temps je regarde absolument pas. Donc tu rentres ton mot de passe. Bien sûr moi je pourrais changer de pièce, il n'y a aucun souci. Une fois que c'est bon, tu me le dis. Ouais. Super. Donc là, on est sur le téléphone, tout ce qu'il y a de plus normal. Je peux pas connaître le mot de passe. Je vais demander d'aller dans la calculatrice, puis de rentrer ton mot de passe. Donc pareil, je ne regarde pas, afin de pouvoir le montrer à la caméra. Maintenant, je vais te demander de faire plus et de rentrer un nombre avec autant de chiffres que ton mot de passe. Ok. Une fois que c'est bon, tu appuies sur Clear pour tout supprimer, pour être sûr que je ne puisse absolument rien voir. C'est bon. C'est bon? Alors je vais récupérer le téléphone. Donc je montre à la caméra, on voit bien, il n'y a absolument rien de visible. Et donc là, en fait, je vais essayer de me concentrer pour essayer de deviner ton mot de passe. Donc tu vas mettre ta main comme ceci, juste au-dessus de la mienne. Et je vais essayer de me concentrer. 1 0 1 0 1 2 5. Et voilà, j'ai trouvé ton mot de passe. Voilà, j'espère que la démonstration vous a plu. Vous pouvez dès à présent voir les explications en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut de l'écran. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Tchuss.